And he shall trap out the enemies from before thee, and shall say, destroy them. Israel est en sécurité dans sa demeure. Israel then shall dwell in safety alone. La source de Jacob est à part. The fountain of Jacob shall be upon a land of corn. Et son ciel dans un pays de blé et de mou. Et son ciel distille la rosée. A land of corn and wine also, his heaven shall drop down dew. Et tu es heureux, Israël, qui est comme toi, un peuple sauvé par le Seigneur. Et puis à thou, O Israel, who is like unto thee, O people saved by the Lord. Le bouclier de son secours et l'épée de sa gloire. The shield of thy help, and who is the sword of thy excellency? Tes ennemis feront défaut devant toi. And thy enemies shall be found liars unto thee. Et tu fouleras les lieux élevés. Amen. And thou shalt tread upon their high places. Prions le Seigneur. Let's pray the Lord. Dieu notre Père. God our Father. C'est du fond de nos cœurs que nous te rendons grâce. From the deep of our heart we thank you. Et c'est avec foi que nous t'adressons cette prière. And by faith we pray. Croyant que tu es présent parmi nous. Believing that you are present among us. Toi qui es le Dieu fidèle. You are a faithful God. Qui n'abandonne pas ton peuple. Who do not forsake his people. Merci pour cette opportunité. Thank you for this opportunity. Car nous sommes réunis ici pour t'entendre toi. We are gathered here to hear you. Nous ne sommes pas ici dans un programme. We are not here in a men's program. Mais nous croyons que c'est un jour que tu nous as encore accordé. We believe that this is a day that you have granted unto us. Pour que nous puissions entendre des choses qui appartiennent à notre préparation. That we may hear things which pertain to our preparation. C'est pourquoi Père, donne les paroles qui conviennent pour être proclamées en ces lieux. That's why, Lord, give us a word which are convinced. Donc, l'entendement spirituel. Give us the spiritual understanding. Et que le Saint-Esprit dirige tout droit ces paroles dans nos cœurs. May the Holy Spirit direct these words straight in our hearts. Et qu'elles produisent en nous le fait pour lequel tu permettras qu'elles soient proclamées. That they may produce the faith for what purpose you have allowed to be proclaimed. Nous te demandons tout ceci. We ask all this dans le précieux nom de notre Seigneur, in the precious name of our Lord, et sauveur Jésus Christ, and Savior Jesus Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci Dieu. Nous sommes reconnaissants à Dieu. We are grateful to God pour toutes ces paroles qui ont été mentionnées ici. For all these words which were said here. Les écritures merveilleuses ont été touchées. Wonderful scriptures were read. Si bien qu'on ne peut pas y revenir entièrement. Although we cannot go back entirely in all of them. Mais il y en a sur lesquels nous devons avoir une attention particulière. But there are some of them on which we need to pay attention. Premièrement, selon Apocalypse chapitre 14. Firstly, according to Revelation chapter 14. Que nous avons lu. The scripture which we read. C'est en ces temps-ci. It is in this time. Et l'évangile éternel. That eternal gospel. Est apporté à toutes les nations. Is preached all the nations. Y compris nous aussi. Amen. For we are included in it. Amen.
Nous sommes dans le programme de Dieu. We are in the program of God. Et l'évangile éternel nous est parvenu. And the eternal gospel has come up to us. Pour nous, pour le but de notre préparation. To us for the purpose of our preparation. Afin que lorsque le Seigneur reviendra, that when the Lord shall come, c'est toi et moi, that you and I, nous soyons trouvés prêts. We may be found ready. Ainsi, ceci est le temps de préparation. Then this is the time for preparation. Et l'évangile éternel nous parvient pour ce but-là. And the eternal gospel has come to us for that same purpose. Ésaïe 28 a été mentionné. Isaiah 28 was mentioned. Je ne commence pas au verset 9. I don't start from verse 9. Mais si nous commençons au verset 8, but if we start from verse 8, la parole de Dieu dit, the word of God says, tout état, amen. All and all tables, amen, sont pleines de vomissement. Amen. Full of a vomit. Amen. Amen. Tout état, all tables, amen, sont pleines de vomissement. Are full of vomit. But you and I, we have a promise. In this time, the Lord Himself addressed a table for us that we may eat. That we may eat good food. Ça fait la différence, frère. There is a difference, brother. Pendant que partout ailleurs, what? Ce sont des vomissements. Elsewhere, it's only vomit. Amen. Toi et moi. But for you and I. Une table est dressée. A table is prepared. Pour des mets succulents. For good and nice food. Chaque réunion. Every meeting. Y compris celle-ci. Comprising of this one. Doit être une réunion. It has to be a meeting. Au cours de laquelle. During which. Le bon berger. The good shepherd. Nous nourrit. Is feeding us. Amen. Mais nous devons lire cette écriture. But we need to read this scripture. Isaiah 28. In Isaiah 28. Il est très important que nous lisions ça. It's very important for us to read it. Après qu'il est mentionné que toutes les tables sont pleines de vomissements. After it is mentioned that all tables are full of vomit and filthiness. À qui veut-on enseigner la sagesse? Now in verse 9 it says, who shall he teach knowledge? Veut-on donner des leçons? And who shall he make to understand doctrine? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés? That are or to children who are now come from the breast? Qui viennent de quitter la mamelle? Were just left from the breast? Car for c'est précepte sur précepte. It's for precept must be upon precept. Précepte sur précepte. And precept upon precept. Reste sur reste. Line upon line. Reste sur reste. Line upon line. Un peu ici. Here a little, un peu là-bas, and there a little. Eh bien, c'est pas des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que le Seigneur parlera à ce peuple. Amen. For with stammering lips and another tongue will he speak to these people. Il lui disait, voici le repos. To whom he said, this is the rest. Mettons ça au présent. Let us put this in the present time. Il vous dit ce matin. It tells you this morning. Voici le repos. Behold the rest. Laissez reposer celui qui est fatigué. Let he may cause the weary to rest. Voici le lieu de repos. This is the refreshing place. Mais ils n'ont pas écouté. But they will not hear. Amen. N'ont pas voulu écouter. But they want to hear. Plusieurs aujourd'hui, many today, ne peuvent pas écouter. They cannot hear à cause des obstacles, because of obstacles, qui se sont dressés devant eux, which were before them. Il y a des obstacles qui sont là. There are obstacles before them. Empêcher le peuple d'écouter. To hinder the people to hear. Mais si Dieu est élu, but if you are an elect, si Dieu dans le plan de Dieu, if you are in the plan of God, alléluia, est ta consolation. This is your consolation. Déjà alléluia. Sur toi. Already upon you. Déjà sur toi. Already upon you. Dieu a déjà donné l'ordre. God has already ordained. À chaque obstacle. Every obstacle. De quitter ton chemin. To lead the way. Amen. Ôtez tout obstacle. Take away all obstacles. Du chemin de mon peuple. On the way of my people. Amen. Toi, marche. You walk. Obstacle. Obstacle, take away. Alléluia, doit passer. So the elect has to go through. Amen. Amen. Alléluia. Le temps des hommes est déjà passé. Time for men is past. Amen. Et le temps de la différence. This is the time for the difference. Ceci est le temps de la manifestation. This is the time for the manifestation. Le vrai sera manifesté comme vrai. The truth will be manifested. Le faux sera
second fois. And the fourth one will be the first as the fourth one. Amen. Tu as une part sûre. You have a sure portion. Ne t'inquiète pas. Don't do not worry. C'est une part que le Seigneur lui-même t'a réservée. It is a portion which the Lord himself has kept for you. Elle est sûre. It is sure. Et personne ne te l'ôtera. And no one will take away from you. Amen. La vie sur Marie. As it is, he said on men. Marie a choisi la bonne part. Mary chose the good part. Et personne ne la lui ôtera. And no one will take it away from her. A qui choisi cette part? Did you choose that part? As-tu choisi cette part? Did you choose that portion? Alléluia. Celle que le Seigneur lui-même t'a réservée. The one which the Lord himself kept for you. Que son nom soit loué. May his name be praised. Le peuple peut refuser d'écouter. The people can refuse to hear. À cause des obstacles. Because of obstacles. Lorsque le Seigneur a parlé à Frère Frank, when the Lord spoke to Brother Frank, lui donna la commission d'aller de ville en ville, giving the permission to go from city to city, Frère Frank a objecté. Frère Frank objected. Il a dit, he said, Seigneur, Lord, ils ne m'écouteront pas. They will not hear. Amen. Parce qu'ils ont tout en abondance. They have everything in abundance. Amen. Pas m'écouter. Amen. They will hear not. Mais le Seigneur lui a dit, but the Lord told him, le temps vient. The time will come. Alléluia. When they will hear you. Amen. Alléluia. Même Amen. Là où il y avait des murs de fer. Even when there were iron walls. Là où il était indésirable. When there was no desire at all. Dieu a renversé le mur. God broke down. And the eternal gospel went in. Hallelujah. Amen. Now we can say, comme il est dit dans le livre de Zacharie, as he said in the book of Zechariah, qui es-tu? Who are thou? Grand montagne. Or great mountain. Hallelujah. Qui es-tu? Who are thou? Grand montagne. Great mountain. Devant nous qui croyons. Before us who believe. Amen. Amen. Qui es-tu? Who are thou? Non, cette non. Question c'est toi qui dois te la poser. No, this is the question which you have to ask yourself. Toi qui crois. You believe. Toi qui fais confiance en Dieu. Who trust in God. Toi qui repose totalement sur le Dieu tout puissant. The one who dwells totally on the Almighty God. Quand tu regardes à chaque obstacle. When you look at every obstacle. Demande-toi. Ask yourself. Par la foi. By faith. Qui es-tu? Où es-tu? Grande montagne. Grande montagne. Before I believe. Aux yeux de Dieu. You are worthy before God. C'est pourquoi votre nourriture. That's why your food. Est une nourriture de qualité. It is a food which has quality. Que le nom de Dieu soit loué. May the name of God be praised. Mais regardez là où il y a des vomissements. But look where you found vomit. What happening? Comme ils n'ont pas voulu écouter. When since they didn't want to hear. Lorsque le repos leur était préparé. When the rest was presented to them. La conséquence est celle-ci. Now the consequence. Et pour eux, and for them, la parole du Seigneur sera. The word of the Lord shall be. Précepte sur précepte. Precept upon precept. Règle sur règle. Line upon line. Règle sur règle. Line upon line. Un peu ici. Here a little. Un peu là-bas. And then a little. Pour nous, ce n'est pas un peu ici. For us, it's not a little here. Un peu là-bas. A little here. Pour nous. For us. C'est la plénitude de la parole. The fullness of the word. All the Bible is our inheritance. No, nous ne voulons pas de dérivés. No, we don't want half truth. Amen. Nous ne voulons pas de révélations particulières. We don't want peculiar revelations. Nous ne voulons pas de spécialités. We don't want specialities. Nous voulons la complète révélation. We want the full revelation of the plan of God. Upon us. Car Dieu a conçu un plan. For God has conceived a plan. Dans l'éternité. In eternity. Dieu était seul. God was alone. Sans ange. Without any angel. Sans prophète. No prophet. Sans conseiller. No advisor. Sans assistant. No assistance. Seul. Alone. Il a conçu le plan. He conceived the plan. Du début. From the beginning. Jusqu'à la fin. Up to the end. Parfaitement conçu. Perfectly conceived. Et puis il est sorti de l'éternité. Then he came out of eternity. Il est entré dans le temps. He came into time. Alors, and the scripture says, au commencement, in the beginning, était la parole. Was the word. Amen.
word. Amen. Non spécialité. Pas des particularités. Non particularité. Mais la plénitude de la parole. But the fullness of the word. En ces temps de restauration. In this time of restoration. Dieu ne nous a pas restauré une partie de la vérité. God did not restore to us a portion of the truth. Dieu nous a restauré. But God restored to us. Toute la parole. All the word. Tout le conseil de Dieu. All the counsel of God. Nous est restauré. It is restored to us. Pas de vérité. Not half truth. Pas de règles sur elle. Not precept upon precept. Un peu ici. A little here. Un peu là-bas. A little there. Non. No. C'est la plénitude de la parole. The fullness of the word. Amen. Mais pour ceux qui ont refusé. But for those who refuse. Et je vous en supplie. And I beg you. Nous ne sommes pas ici pour jouer à la religion. We are not here to play to religion. Votre temps est précieux. Your time is precious. Notre temps est aussi précieux. And our time is precious. Mais nous voulons que dans des interventions, but would like in such a meeting, que chacun quitte ici, that everyone leave this place, qu'il dise en son cœur, and he may say in his heart, j'étais en présence de Dieu. I was in the presence of God. Et il a fait du bien à moi. And he has made goodness to my soul. Nous voulons que ce temps like this time, puisse compter pour notre préparation. May be counted for our preparation. Alors, je vous en supplie. Now, I beg you. Ne soyez pas de ceux qui refusent. Don't be of those who refuse to hear. Ne soyez pas de ceux qui acceptent des obstacles. Don't be of those who accept obstacles. La tsunamite. The Tsunamite, le désir qui était en elle, the desire which was in her, c'était rencontrer celui que Amen. It was to meet the one that her heart loves. Celui que notre cœur aime, the one that our heart loves, c'est pas mon frère Jean. No, it's not my brother Tita Ziaka. C'est pas mon frère Dan. Not my brother Ben. Not my brother Daniel. Ce n'est pas mon frère Hilton. Not my brother Hilton. C'est pas mon frère Brent. Not my brother Brent. C'est pas mon frère Jansson. Not my brother Jesse. C'est pas mon frère Malcolm. Not my brother Malcolm. C'est pas Frank. Not Frank. C'est pas William Branham. Not William Branham. Celui que notre cœur veut rencontrer. The one our heart would like to meet. C'est le Seigneur Jésus Christ. The Lord Jesus Christ. Que tout obstacle. Now let every obstacle. A commencer par moi. Starting from me. Amen. That every monster soit ôté du chemin. From the way. And then the people. Amen. Amen. The one the heart loves. La tsunamite est sortie. The tsunamite came out. Et la rencontre. And she met. Des sentinelles. Watchmen. Mais qu'est-ce que les sentinelles ont fait? What did the watchmen told? Ils l'ont battu. They smote her. Ils lui ont ôté son voile. And they took away the veil from her. C'était des méchants sentinelles. These were wicked watchmen. Mais la tsunamite ne s'est pas arrêtée là. But the tsunami didn't stop. Et puis elle a rencontré d'autres sentinelles. Then she met others watchmen. À peine qu'elle les a dépassés. Amen. Although, just when she went Amen. Passed by, just when she just passed by them, Amen. She made the one who heart laughs. Amen. Now, because you, Amen. Go pass by every man. Amen. Go pass by Brennan. Go pass by a friend. Go pass by Ziaka. Go pass by Ziaka. Go pass by every man. Amen. Cling to Jesus Christ. Le temps des hommes est passé. The time for men is go back. Ceci est le temps de Dieu. This is the time of God. Comme il nous a été lu. What? As was read. Dans Ézéchiel 34. In Ézéchiel 34. Mais remarquez qu'au départ. Notice that in the beginning, starting with. C'est une remarque que Dieu fait au berger. It is a remark which God is telling the shepherd. Fils de l'homme. Son of man. Prophétise contre les bergers d'Israël. Prophesy against the shepherds of Israel. Amen. Et le Seigneur se met en peine. And the Lord is taking care. Il désapprouve. Il disapprouve. Les voies des bergers. The ways of the shepherds. La manière dont ils ont traité ces brebis. The way they dealt with the sheep. Vous n'avez pas pris soin d'eux. You didn't take care of them. Vous ne les avez pas nourris. You didn't feed them. Celle qui était perdue, the one which was lost, vous ne l'avez pas cherché. You didn't seek for them. Celle qui était malade, the one which was sick, vous ne l'avez pas guéri. You didn't heal them. Mais mes brebis se sont disparues. My sheep were scattered. Faute de bergers. Ah,
because of lack of shepherds. Alors, au verset 11, in verse 11, Dieu se présente lui-même en scène. God presents himself into sin. Il n'y a plus de place pour les hommes. There Amen. Is no more place for men. Là, c'est Dieu lui-même. There is God alone. Moi-même. Amen. I alone. Moi-même. I alone. Je prendrai soin. Will take care of my sheep. Et tu la brebis du Seigneur. Are you the sheep of the Lord? Et tu la brebis du Seigneur. Are you the sheep of the Lord? Le Seigneur lui-même prend soin de toi. The Lord himself takes care of you. Crois-le. Believe it. Crois-le. Believe it. N'écoute pas. Don't doubt. Et tous disons Amen. Amen. Que tout celui qui se sent appartenu au Seigneur dise Amen. Amen. Anyone who feels to belong to the Lord may say Amen. Amen. Plus de place pour les hommes. No more place for men. C'est le Seigneur. It is the Lord. Et son peuple. And his people. Amen. Amen. Nous rentrons dans Deutéronome. Now we go back in Deuteronomy. Deutéronome 33. In Deuteronomy 33. Depuis le verset 27. Allons dire le verset 28. Let us go straight to verse 28. Ici, il est parlé d'Israël. He had spoken about Israel. Mais avant qu'il ne soit Israël, before he may be Israel, avant qu'il ne s'agisse d'Israël, before it is about Israel, ce matin, this morning, il s'agit de toi. It's about you. Amen. Israël est en sécurité dans sa demeure. Amen. Israel then shall dwell in safety alone. Je peux dire, I can say, tu es, you are, en sécurité, in safety. Dans ta demeure. In your dwelling place. Où est ta demeure? Where is your dwelling place? Ta demeure. Your dwelling place. C'est dans la parole. Is in the word. Amen. Chaque brebis du Seigneur. Every sheep of the Lord. Doit se sentir en sécurité. Must feel safety. Dans la parole de Dieu. In the word of God. Amen. Amen. De même que Dieu a destiné à son peuple naturel. The same way God destined to his natural people, un pays naturel, a natural land, c'est ainsi que à nous, son peuple spirituel, how in us his spiritual people, il a destiné un territoire spirituel. He has chosen a spiritual land. Et ce territoire, and this land, c'est le territoire des promesses. It is the land of promises which we read to you in the Bible. Amen. Que chacun se retrouve en sécurité. Let everyone find himself in safety. Dans toutes les promesses contenues dans la Sainte Bible. In all the promises found in the Holy Bible. Pas dans les préceptes d'hommes. Not into a man's precepts. Pas dans les particularités des révélations. Not into the peculiarity of revelation. Amen. Mais dans ces riches pâturages. But in this rich pasture. Amen. La source de Jacob est à part. And the fountain of Jacob shall be upon the land. Elle n'est pas mélangée. It's not mixed up. C'est un peuple à part. It is a set up people. Sa source est à part. And its fountain is set apart. C'est pourquoi nous ne mangeons pas ce que tout le monde mange. That's why we don't eat whatever everyone nous eats. Nous ne buvons pas ce que tout le monde boit. We don't drink whatever everyone is drinking. Notre source est à part. Amen. Our fountain is set aside. Amen. Et son ciel distille la rosée. And his heaven shall drop down dew. Alors la déclaration est là au verset 29. Now the quote is there in verse 29. Mais lisons pas comme si nous parlons en ce qui concerne un autre peuple. Let us not read as it is concerning another people. Mais lis comme si ça te concerne toi-même. But read as if it is concerning you alone. Amen. Read the scripture. En tenant compte que c'est Dieu qui te parle. Take, Dieu qui te parle. Take in account that it is God speaking to you. Que tu es heureux. Amen. Happy Adam. Israël. Oh Israël. Qui est comme toi? Who is like unto thee? Qui est comme toi, mon who frère? Is like unto you, my brother and sister? Peuple sauvé par le Seigneur. Oh, people saved by the Lord. Peuple pour qui le Seigneur a versé son sang à Golgotha. The people for whom the Lord shed his blood at Golgotha. Peuple racheté. The redeemed people. Peuple acquis. The people acquired. La propriété de Jésus-Christ. The property of Jesus Christ. Le produit de son œuvre à Golgotha. The product of his work at Golgotha. Qui est comme toi? Who is as thou? Esaïe 43.
depuis le premier verset. From verse 1. Ainsi parle maintenant le Seigneur qui t'a créé, ô Jacob. But now thus says the Lord, thou created thee, O Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. And he that formed thee, O Israel. Qu'est-ce qu'il dit? What does he say? Regardez que le Seigneur parle de paix à son peuple. Notice that the Lord is speaking about peace to his people. Le Seigneur n'est pas un terroriste. The Lord is not a terrorist. Le Seigneur parle de paix à son peuple. The Lord speaks of peace to his people. Amen. Dans Psaume 85, il est écrit, on n'en parle. In Psalm 85, it is written, we do not read. J'écouterai ce que Dieu dit. Amen. Don't hear what God Amen. Says. Car il parle de paix. For he speaks of peace. À ses fidèles. To Amen. His faithful. Amen. Amen. Dieu ne terrorise pas. God does not terrorize. Dans Isaïe 54, il dit, in Isaiah 54, il dit, je ne te menacerai plus. I will not menace you. Je ne me mettrai plus en colère contre toi. I will not be wrath against you. Pourquoi? Why? L'agneau est mort à Golgotha. The lamb died at Golgotha. La colère qui était sur toi. The wrath which was upon you. Est tombée sur l'agneau. Fell upon the lamb. Sur toi. Upon you. Plus de colère. Amen. Nous n'allons pas changer l'évangile. We are not going to change the gospel. L'évangile, nous l'annoncerons. We will preach the gospel. Dans les termes où il nous a été confié. The way it was given unto us. Et tout celui à qui l'évangile a été confié. And the one to whom the gospel was confided. Prêchera comme Paul. Amen. We will preach like Paul. Amen. Comme Pierre. Amen. Peter. Comme Jacques. Like James. Comme Jean. Like John. Comme Branham, like Branham, comme Frank, like Frank, you will preach according to the same gospel, same teachers. Amen. Paul says this in Galatians. He says, mais Pierre, but Peter, Jacques, James, et Jean, and John, qui étaient considérés comme des colons, who were considered as pillars, ayant remarqué, having noticed. Que l'évangile m'a été confié. That the gospel was given unto me. Il y a des gens à qui Dieu a confié l'évangile. There are people to whom God gave the gospel. Et il y a des gens à qui Dieu n'a pas confié. And there are people to whom God did not give. Si Dieu t'a confié l'évangile, if God gave you the gospel, tu proclameras l'évangile. You will proclaim the gospel dans les termes où il a été confié. Amen. Terms in which it was given to you. Amen. Mais si Dieu ne te l'a pas confié, if God did not give it to you, tu vas y ajouter un peu de toi. You add a bit of yourself in it. Yes. Alors là commence le terrorisme. That now when the terrorism starts. Là commence les spécialités. That now starts specialities. Là commence les particularités. That starts peculiarities. Mais ici pour toi. But here for you. Dieu dit. God says, du moins, l'homme de Dieu dit, or, unless the man of God says, I will hear Dieu dit, what God says, il parle de paix. For he speaks about peace. Regarde comment il parle ici. Look how he speaks here. C'est à toi qu'il parle. And Amen. He speaks to you. Ce matin, il s'agit de toi. This morning, it's about you. C'est à toi que Dieu parle. God is speaking to you. Et qu'est-ce qu'il dit? And what does he say? Ne crains rien. Amen. Alléluia. Car je te rachète. For I have redeemed thee. Qui est comme toi? Who is like unto you? Peuple racheté par le Seigneur. The redeemed people by the Lord. Ne crains rien. Fear not. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. I have called thee by thy name. Et tu es à moi. Thou art mine. Tu n'appartiens pas au pasteur. Do not belong to a pastor. Tu n'appartiens à aucun homme. You don't belong to any man. Tu appartiens à moi. You belong to me. Je versais mon sang. I shed my blood. Au calvaire. Calvary. Je t'ai acquis. I have acquired you. Par mon sang. By my blood. Alléluia. Tu es à moi. You belong to me. Je t'appelle par ton nom. I call you by your name. Amen. Verset 2. Verse 2. Si tu traverses les eaux, when thou passest through the waters, je serai avec toi. I will be with thee. Le Seigneur ne dit pas, the Lord does not say, que tu ne traverseras pas les eaux. That you will not go through waters. Le Seigneur connaît ton chemin. The Lord knows your way. Il connaît tous
tout le trouble dans lequel tu passais. He knows all the trouble within which you go through. Et il dit, but he says, quand même tu y passais, although you go through this trouble, moi, je serai avec toi. I will be with you. Et je te dis, and I say ce to matin, you this morning, il est avec toi. He is with you. Il y en a qui doutent. There are some who doubt. Mais si tu doutes, but if you doubt, tu es avec qui? With who are you? Tous nous devons croire. Amen. Oh, we have to believe. Alors disons tous amen. Let us amen. 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 Si tu traverses les grandes eaux, if you go through great waters, et même si maintenant tu es dans les grandes eaux, even though now you are found into great waters, ne t'inquiète pas. Don't worry. Car lui a déjà dit, for he already said, je serai avec toi. I will be with you. Amen. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. And the rivers, they shall not overflow thee. Si tu marches dans le feu, when thou walkest through the fire, tu ne te brûleras pas. Thou shalt not be burned. Et la flamme ne t'embrasera pas. Neither shall the flame kindle upon thee. Pourquoi? Why? Écoutez. Yeah. Car je suis le Seigneur ton Dieu. For I am the Lord thy God. Amen. Le Saint d'Israël. The Holy One of Israel. Ton sauveur. Thy Savior. Pas un homme. Not a man. Il dit, je suis le Seigneur. He said, I am the Lord. Ton Dieu. Your God. Amen. Le Saint d'Israël. The Holy One of Israel. Ton sauveur. Your Savior. Amen. Qui est comme toi? Now, who is like you? Peuple sauvé par le Seigneur. Amen. The saved people by the Lord. Amen. Alléluia. Et il ajoute. And he adds. Je donne l'Égypte pour ta rançon. I give Egypt for thy ransom. Éthiopie et Saba à ta place. Ethiopia and Saba for thee. Parce que tu as du prix. Amen. Thou wast precious. À mes yeux. My sight. Tu es précieux. Thou art precious aux yeux de Dieu. In the sight of God. Plusieurs, quand on lui dit tu es précieux, many when they have said you are precious, il dit, non pas moi. No, he said no, not me. Parce qu'il commence à regarder. Because he starts looking around him. À ce qu'il est. To what he is. Il dit non pas moi. And he said no, not me. Donc peut-être lui. Maybe him. Et il commence à regarder. And start looking others. Et il ne sait pas dire amen. And he is unable to say amen. L'élu. The elect. Attache sa foi. He attaches his faith à ce que Dieu dit. To what God says. Amen. Et il dit amen. And he says amen. Amen. Il ne combat pas les Écritures. Does not fight against the Scriptures. Il croit. He believes. Amen. Dieu dit tu as du prix à mes yeux. God says you are precious before me. Amen. Souvent nous les prédicateurs. Most of the time we preachers. Il peut nous arriver de ne pas comprendre la valeur que représente le peuple devant Dieu. It may happen that we not understand the value which the people has before God. Amen. À ce moment-là, on commence à lui apporter le porte. Now in that time we start now bringing anything anyhow. On devient un petit chef qui peut blâmer, qui peut gueuler, qui peut. We become a small boss who can just shout and grind and do you amen. Don't know. Amen. No. Tu es dit de toi. God says of you. Tu as du prix. Amen. You are precious before me. Amen. Quand je te regarde, when I look at you, c'est de l'or précieux. It is the precious gold. Amen. Aux yeux de Dieu, in the sight of God, tu as du prix. You are precious. Amen. C'est pourquoi moi qui me tiens ici. That's I who stand here. C'est avec crainte et tremblement. It is with fear and trembling. Amen. Sachant que je parle au peuple. Knowing that I'm speaking to the people. Du prix aux yeux de Dieu. Precious before God. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Et là, je dois faire attention. And here I have to be careful. À ce qu'il doit laisser voir. To what you have to receive. Amen. Regarde que tu vas servir dans la maison du roi. Look, you go and serve in the house of a king. Et tu vois le prince et les princesses. Amen. You see the prince and the princess. Tu dois venir à table. Who have to come and sit at the table. Oh, mais faites attention. Be careful. Amen. Amen. Ce sont des princes et des princesses. Amen. Princes and princesses. Qui ont de la valeur. Who have value? Dieu dit. God says. Tu as du prix à mes yeux. You are precious before me. Amen. 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 Que Dieu
Cape Town. For all the inhabitants of Cape Town. Disons à cause de toi. Let's say because of you. À cause de toi. Because of you. Dieu bénisse tous les habitants de Cape Town. God can deliver all the people of Cape Town. Amen. Pour que toi tu sois sauvé. That you may be saved. Ceux qui font descendre l'amour de Dieu d'ici des cieux. Those who make the love of God come from heaven. Et que son fils meurt à Golgotha. And his son to die at Golgotha. Jésus-Christ ne jouait pas du théâtre à Golgotha. Jesus was not playing at Golgotha. Jésus-Christ a versé son sang. He shed his blood. Pour te racheter. To redeem you. Qu'est-ce que tu vaux? What is your value? Qu'est-ce que tu vaux? What is your value? Tu vaux le sang divin. Your value, it is the divine blood. Je vais entendre l'amen de Dieu. Amen. I'd like to hear an amen from you all. Amen. Ton prix, c'est le sang divin. The price is the divine blood. C'est pas moi qui l'ai dit. It's not me. It's not I who say. C'est Dieu qui l'a dit. It's God who said. Verset 4. Verse 4. Parce que tu as dit prier à Jésus, parce que tu es honoré et que je t'aime. Amen. Since thou wast precious in my sight. Thou hast been honorable and I have loved thee. Je donne des hommes à ta place. Therefore will I give men for thee. Et des peuples pour ta vie. And people for your life. Amen. Verset 5. Verse 5. Ne crains rien. Fear not. Car je suis avec toi. For I am with thee. Je ramène de l'Orient ta race. I will bring blessings from the East. Nous sommes tes Amen. We are Amen. Of this seed. Nous sommes la race du fils. We are the divine seed. Nous appartenons à Dieu. We belong to Alleluia. God. Tous ceux qui sont de sa race. All of those who are of his seed. Alleluia. He brings them back. Amen. Il les ramène. He brings them back. Ne crains rien, je ramène de l'Orient ta race. Fear not, I will bring from the East your seed. Et je te rassemblerai. And I will gather them. De l'Occident. From the West. Je dirai au septentrion. I will say to the North. Don't. Give up. Ah, non. En d'autres mots. In other words. Je donnerai de l'ordre. I will give orders. À celui qui retient. To the one who keeps back. Don't. To Amen. Give. Amen. Tout celui qui retient une brebis du Seigneur. Whosoever holds a sheep of the Lord. Est concerné par ce don. Is concerned by this order. I will command to the north. Don't give up. Amen. Et au midi, and to the south. Ne retiens point. Keep not back. Fais venir mes fils des pays lointains. Bring my sons from far. Et mes filles de l'extrémité de la terre. And my daughters from the ends of the earth. Amen. Tous ceux qui s'appellent de mon nom. Even everyone that is called by my name. Et que j'ai créé pour ma gloire. I have created him for my glory. Que j'ai formé. I have formed. Et que j'ai fait. And I have made him. Ceci est le temps de grand rassemblement. This is the time of great gathering. Ce n'est pas un rassemblement fait par un homme. It's not a gathering made by a man. Nous prions le Seigneur. We pray the Lord. Bénisse. That he may bless. Tout homme qui peut utiliser. Every man that he may use. Le peuple se rassemble autour de sa parole. For his people to be gathered around his word. Amen. Amen. Nous prions. We pray. Pour chaque instrument. For every instrument. Que Dieu peut utiliser. Which God can use. Pour cette finalité. For this finality. Mais c'est pas l'homme qui rassemble. It's not the man that gathers. C'est Dieu lui-même. God himself. Qui rassemble Amen. Son peuple. Who gather his people. Si ce n'est pas Dieu qui nous a rassemblés. If it's not God who gathered us. C'est en vain que nous sommes ici. Then it is in vain we are found in this place. Amen. L'invitation est lancée partout. The invitation is gone forth. Tout le monde est appelé. Everyone is called. Mais regardez. But look. Il n'y a que vous qui êtes de sa race. It's only Amen. You of his race. Qui venez ici. You of his seed that has come. Amen. Le vôtre dit. Others say. Non, on n'a pas du temps. No, we don't have time. Je suis occupé. I'm busy. J'ai mon programme. But my program. Mais vous, but you, qui êtes de sa race, who are of his seed, the calling is working in you. Parce qu'il a été dit. Because you are saying, je vous rassemble. I will gather you. Alléluia. Et quand Dieu rassemble, and when God gather, quand Dieu rassemble, when God gather, aucun homme ne peut disperser. No man can scatter. Amen. Alléluia. Ton sauveur, your savior, celui qui veille sur toi, the one who's watching upon you,
et le Dieu Tout-Puissant. And he is the Almighty God. Quand il rassemble, when he gathered, personne ne peut disperser. No one can scatter. Mais allons dans Jérémie 31. Let us go in Jeremiah 31. Commençons, pour ne pas prendre trop de temps. And let us go forward for us not to take much time. Jérémie 31. In Jeremiah 31. Depuis le premier verset. From verse 1. En ces temps-là, dit le Seigneur. At the same time, says the Lord, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Will I be the God of all the families of Israel? Et ils seront mon peuple. And they shall be my people. Ainsi parle le Seigneur. Thus says the Lord. Il a trouvé grâce dans le désert. They were found grace in the wilderness. Le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. The people which were left of the sword. En fait, ce sont des rescapés. In fact, these are the escaped ones. Frère, que pouvons-nous dire? Brother, what can we say? Dans le message du temps de la fin. In the end time message. Il y a eu un grand processus d'extermination. There was a great process of destroying. Comme ce fut du temps du troisième Reich allemand. As it was in the time of the third age of Deutsch. Des hommes se sont levés. Men stood up. Mais avec l'objectif. But with an objective, exterminer le peuple, to destroy the people. Regardez. Amen. Look the message. Aujourd'hui, on a même honte. Today we are even ashamed. N'eût été le secours du Seigneur. If it was not because of the help of the Lord, c'est difficile de parler du message. It is very difficult to speak about the message. Vous voulez parler du message? You want to speak about the message? Ces polygamistes là. Those polygamists. Amen. Vous voulez parler du message? You want to speak about the message? Ces gens de division. Those people of division. Vous voulez parler du message? What is the message? Ces idolâtres là. These idolaters. Yes, right. Quel processus d'extermination? What a process of destroying. Mais, but il y a un reste. Amen. 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 According to the purpose of election. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Amen. Thanks be to God. Que tu fais partie du reste. That you are part of the remnant. Et si tu fais partie du reste, and if you are part of the remnant, ta foi reposera ici. Amen. Your faith will be found here. Amen. Établi sur les promesses de Dieu. Established upon the promises of God. Alléluia. Yes. Il y a un reste. There is a remnant. Selon les desseins de Dieu. According to the purpose of election. Les élus, the elect, subsisteront. Will stand. Amen. Dans Psalm 91, in Psalm 91, he says, que mille tombent à gauche. That 1,000 falls at the left. Que 10,000 tombent à droite. And 10,000 at the right. Toi, you, tu ne tomberas pas. You shall not fall. Amen. For what? Le Seigneur te soutient. The Lord is sustaining you. Alléluia. C'est lui que le Seigneur ne soutient pas. The one that the Lord does not sustain. Ne subsistera pas. Will not stand. Mais nous pouvons tous dire. But we can all say. Comme Paul l'a dit. Like Paul. Dans Actes 26. In Acts 26. Thanks to the rescue of God, I stood up today. It's thanks to his rescue that we can stand today. Now this is the people who has escaped. Israel marche vers son lieu de repos. Israel is walking towards his resting place. De loin, le Seigneur se montre à moi. From far, the Lord shows himself unto me. Maybe you don't see very well. Oh oui, mais de loin. But from far, il se montre déjà à toi. He shows himself to you. Et qu'est-ce qu'il dit? And what does he say? Je t'aime. I love you. Je t'aime. I love you. Je t'aime. I love you. Dieu t'aime. God loves you. T'es d'amour. Of a love. Éternel. Amen. 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 Je ne changerai pas l'évangile. I will not change the gospel. Je dirai ce que Dieu dit. I will say what God says. Qu'est-ce qu'il dit à son peuple? What does he say to his people? Je t'aime. I love you. Amen. Un amour of éternel. Of an everlasting love. Amen. Pas un amour mesuré. Not a measured love. Pas un amour qui peut s'épuiser aujourd'hui. Not a love which can be finished today. Or tomorrow. Alors des spécialistes de gestion de l'amour de Dieu viennent. Then the specialist of managing the love of God come. Oh, mais tu vois que ça ne reste que no, but see, that doesn't mean a little bit. Because it's going to finish. And to be gone for. God says, je t'aime. I love you. Je t'aime. I love you.
ma bonté. Amen. Toute ma bonté. Amen. Mais toi qui plais. Yes. Oui. Yes. La bonté de Dieu. The love kindness of God is kept for us. Pour toi. For you. Pourquoi tu crains? Why are you fearing? Pourquoi tu t'agites? Why are you shaken? Le psalmiste dit. The psalmist says. Mon âme. My soul. Pourquoi t'as battu? Why are you despairing? Le peuple de Dieu devient comme un peuple en désastre, dans des inquiétudes, dans la souffrance. The people of God has become a people which is shaken into our souls. Quand nous regardons toutes ces promesses, but if one look at all these promises, nous devons dire, we have to say, oui, yes, la bonté de Dieu, the love kindness of God is kept for me. Amen. Pourquoi t'as battu mon âme? Why are you stricken, my soul? Espère par le Seigneur. Amen. Oh, in the Lord. Ne sera confus. No. Ne sera confus. The one will be confused. Que celui qui met sa confiance sur un homme. The one who put his trust upon a man. Et quand je parle d'un homme. And when speaking of a man. Considérez-moi. Consider also me. D'abord moi. Starting with me. Pendant que je parle ici, while I'm speaking here, je ne parle pas de manière à ce que votre confiance repose sur moi. I'm not talking in such a way that your trust may be put upon mais me. Je parle de manière but I speak in such a way que vous ayez confiance you may trust en celui qui a fait les promesses. The one who made the promises. Amen. Amen. Pas dans vos capacités. Not into your abilities. Mais dans sa fidélité. But amen. In his faithfulness. Amen. For him. Il est le tout puissant. He is the Almighty. Amen. For you. Crois-le. Believe it. Et ne doute pas. Do not doubt. N'écoute pas l'ennemi qui peut te parler. Don't listen to the enemy who can speak to you. He visit whispering on your ear. Don't hear him. But say, God. Ce que ta parole dit. What your word says. Je I believe it. Ce que ta parole dit. What your word says. Je crois. I believe it. Toi. You. Il y a toute ta bonté. You have all your love kindness. En réserve. You kept it for me. Pour moi. For me. Et Jérémie dit, and Jeremiah says, Lamentation, chapitre 3, in Lamentation chapter 3, les bontés du Seigneur, the loving kindness of the Lord, ne sont pas épuisées. They are not finished. Elles se renouvellent. They get renewed chaque matin. Every morning. Cette matinée, this morning, ces bontés, his loving kindness, sont renouvelées pour toi. Were renewed for you. Ne résiste pas contre cette parole. Don't resist against this word. Accepte l'amour de Dieu. Accept the love of God. Ce qui te témoigne. What it testifies to you. Je t'aime d'un amour éternel. I love you with an everlasting love. Un amour inépuisable. A love which cannot be finished. C'est pourquoi je mets en réserve. That's why I keep for you toute ma bonté. All my love and kindness. Let me say. Verse 4. Je te rétablirai encore. I will restore you again. Et tu seras rétabli. And you will be restored. Vierge d'Israël. O Virgin of Israel. Disons. Let us say. Vierge des nations. O Virgin of nations. Disons. Let us say. Vierge de Cape Town. Virgin of Cape Town. Disons. Let us say. Vierge de l'Afrique du Sud. Virgin of South Africa. Amen. Alléluia. La promesse de rétablissement. The promise of restitution de toutes choses, of all things, c'est pour nous aussi. It's for us. Amen. Chacun doit dire. Everyone has to dans say. Dans son cœur. Within his heart. Cette promesse. These promises. Elle est mienne. Amen. 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 Il nous a été dit ici. It was read to us in Acts chapter 3. Jésus. Jesus. Que le ciel reçoit, which the heaven keeps, et qui sera rétabli au ciel, and will be kept in heaven, jusqu'au temps, up until the time, jusqu'au temps, up until the time, de rétablissement de toutes choses, of restitutions of all avant things, le rétablissement de toutes before choses, the restitution of all things, Jésus ne descendra pas, Jesus will not come down. Il faut que le rétablissement de toutes choses ait lieu. First, the restitution of all things must take place. Alors, le Seigneur descend. Then the Lord will come down.
But before that, nous attendons. We are waiting. Amen. Regardez. Now look. Le rétablissement. The restitution. N'inclut pas seulement la prédication de la parole. Does not only include the preaching of the word. Firstly, toute la parole. All the words. Toute la parole. All the words. Nous est restauré. Has been restored to us. Amen. Et il est proclamé. And it is preached today. Dans sa plénitude. Into its fullness. Amen. But à nous aussi. To us aussi, qui recevons cette parole, who receive this word, le rétablissement total, the total restitution, doit être la réalité, must be a reality. Amen. Non seulement la parole restaurée, not only the restored words, mais les croyants aussi restaurés. Amen. Also, the restored believers, chaque chose, doit être comme au commencement, must be as it was in the beginning. Amen. Si vous êtes dans le plan que Dieu a conçu, if you are in the plan which God conceived, n'acceptez pas de différence. Do not accept indifference. Amen. Nous devons être comme des disciples de Bérée. We have to be as the disciples of Bérée. Des gens qui sont capables. Men who are able. Quand je descends ici, when I just walked down from here, ils sont capables de me suivre. They are able to follow me. Yes. And say, brother, ce que tu as dit là, what you are saying, c'était qui? Amen. 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 Show us Amen. In the scripture. Nous ne voulons plus de déclarations. Amen. We don't want any more declarations or coaching. Amen. Nous voulons la parole de Dieu. Amen. The word of God. Amen. Chaque chose doit être rétablie. Everything must be restored. Doit être remis à sa place. As we put back to its own place. As it was in the beginning. Amen. Dieu dit, je te rétablirai. God says, I will restore tu you. Seras rétabli. And you will be restored. Vierge d'Israël. Virgin of Israel. Et ceci. And this. C'est le temps où les vierges sont rassemblées. The time when the virgins are gathered. Mais avançons avec le parole. Let us go forward with the word of God. Amen. Let us get on with the reading. Allons au verset 8. Let us go to verse 8. Voici. Behold, je les ramènerai du pays de septentrion. I will bring them from the north country. Je les rassemble des extrémités de la terre. I gather them from the coast of the earth. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux. And with them the blind and the lame. La femme enceinte et celle en travail. The woman with child and her that travail. C'est une grande multitude. It is a great multitude. Qui revient ici. Which shall return où? Where? Où? Where? Qui revient ici. Who comes back here. À la parole. To the word. Une grande multitude. A company. Qui revient à la parole. That comes to the word. Alors, verset 9. Verse 9. Ils viennent en pleurant. Shall come with weeping. Et je les conduis au milieu de leur supplication. And with supplication. Will I lead tout them. Tout ce que le Seigneur amène. C'est le Seigneur lui-même qui les conduit. Il nous conduit. He's leading us. Amen. Je les mène vers des torrents d'eau. We'll cause them to walk by the rivers of waters. Amen. Amen. Il ne nous amène plus vers des lieux arides. He's not taking us to the dry lands. But he's taking us to the rivers of waters. Il nous conduit dans l'abondance de sa parole. Leading us in the abundance of his word. Tout ce que le Seigneur amène. All those the Lord is bringing back. Ils sont part à l'abondance des eaux. They are taking part to the abundance of the waters. Amen. Ils n'ont pas part au discours humain. They don't have part to a man's speech. But we come back to the word. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin humide où ils ne chancèlent. Amen. Taking them to the rivers of waters in a straight way wherein they shall not stumble. Je suis un père pour Israël. For I am a father to Israel. Et Ephraim est mon premier-né. And Ephraim is my firstborn. Nation! Écoutez la parole du Seigneur. Hear the word of the Lord, O ye nations. Et publiez-la. And declare it. Dans les îles lointaines. In the island afar off. Alléluia. Dites. And say. Dites. And say. C'est lui qui a dispersé Israël. He that scattered Israel. Garde.
garder. And will keep him. J'insiste. I emphasize. Il le garde. He will keep him. Alors, je ne parle pas au futur. No, I'm not talking about the future. Parce que le temps est là. Because the time is here. Il nous garde. He does keep us. Qui croit qu'il est gardé par le Seigneur? Who believes that he is kept by the Lord? Il y en a qui ne croient pas. There are some who do not believe. Il y a ceux qui croient sous les mains. Let the one who believes lift up their hand. May God bless you. Il nous garde. He keeps us. Comme le berger. As the shepherd. Garde son troupeau. Doeth his flock. Verset 11. Verse 11. Car le Seigneur rachète Jacob. For the Lord has redeemed Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. And ransomed him from the hand of him that was stronger than he. Amen. When the good shepherd comes upon the scene, ce qu'il fait, what he does, il arrache ses brebis. He takes away his sheep des mains de faux bergers. From the hand of false shepherds. Parce que lui-même, because himself, décide de prendre soin de ses brebis. Decide to take care of his sheep. Elle ne doit pas être dans la main d'un étranger. Then they're not supposed to be in the hand of a sheep of a stranger. Frère, homme de Dieu. Every true man of God ne se présentera pas lui-même. Will not present himself. Chaque vrai homme de Dieu every true man of God présentera le Seigneur Jésus-Christ. Will present the Lord Jesus Christ. Amen. Chaque vrai homme de Dieu every true man of God ne sonne pas la trompette pour lui-même. Does not blow out the trumpet for himself. Chaque vrai homme de Dieu every true man of God prépare la voie pour le Seigneur. Prepare the way for the Lord. Alors, il faut que les brebis quittent les mains de l'étranger. Then the sheep have to come out of the hand of a stranger. Alors, il arrache. Then he will snatch them. Vous savez, arracher c'est quoi? You know, to snatch, what ça does it mean? Que c'est pas facile. It's not easy. La main qui tient, the hand that holds, tient fort. Holds very firmly. Et ne veut pas lâcher. Doesn't want to give up. Alors le Seigneur. Then the Lord arrache. Snatch. Amen. Blessed are we. Amen. Because Amen. He has snatched us. Amen. From the end of all men. Soyez arrachés. Be snatched up. From the end of all men. Commencez par ma main. By my end. Alléluia. Amen. Et demeurez. And dwell. Dans la main sûre. In the sure hand. Du Seigneur Jésus-Christ. Of the Lord Jesus Christ. Là où il dit. Where he says. Toutes les brebis. All the sheep sont dans ma main. Are found in my hand. Mais personne, no one will take them away from me. Si tu es dans la main du pasteur, if you are in the hand of a pastor, tu n'es pas dans un lieu sûr. You are not in a sure place. Mais si tu es dans la main du Seigneur, but Jésus, if you are in the hand of the Lord Jesus Christ, l'homme te rejette, may the man reject you. Jésus Christ a trouvé. But Jesus Christ has found you. Amen. C'est un lieu sûr. It is a sure place. Que Dieu soit loué. May God be praised. Il les arrache. He snatched them. De la main. From the end of the stronger than them. Lisons ce que Isaïe dit. Let us read what Isaiah says. On va rentrer ici. I think it's very important. We'll come back here. Look in Isaiah 26 what he says. Ce cantique, il doit être dans mon cœur. This song has to be found in your heart. D'abord, verset 12, il dit. First in verse 12, it says. Seigneur. Lord. Tu nous donnes la paix. Thou ordained peace for us. Le Seigneur ne trouble pas. The Lord does not distract. Ce sont les hommes qui troublent. Amen. It's men who distract. Et souvent, c'est celui qui trouble. And often it's the one who distracts. Qui dit à celui qui amène la paix. And tell the one who brings peace. À celui qui proclame la paix. The one that proclaims peace. C'est souvent celui-là qui dit à l'autre que c'est toi qui trouble. Often it's the one who says, no, you are the one troubling people. Mais regardez ce qu'Akab a dit à Élie. But look what Ahab said to Elijah. Élie est un prophète envoyé par Dieu. Elijah is a prophet sent by God. Pour le peuple de Dieu. For the people of God. En un temps de détresse. To the time of distress. Mais quand Akab voit Élie. When Ahab sees Elijah. What does Ahab say? C'est toi Élie. It's you Elijah. Qui trouble Israël. Troubling Israel. No,
pas moi qui trouble Israël. C'est toi. Israël, c'est toi. Abandonne la parole de Dieu. Amen. 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 C'est facile de pointer le doigt. Easy to point a finger. C'est toi qui trouble. You are the one troubling. Avant de pointer le doigt. But before pointing a finger. Amen. Check first your ways. Amen. Tous les vrais hommes de Dieu. All the true men of God. L'opprobre de Christ. The reproach of Christ est sur eux. Is upon them. Amen. Hallelujah. Mais acceptez ça. But accept this. Amen. Servez le Seigneur. Serve the Lord. Avec cet opprobre. With this reproach. Mais que pouvons-nous dire à ce sujet? What can you say about this? Mais moi, je ne suis pas le conseiller de Dieu. I'm not the advisor of God. Dieu. God a fait les choses. Has made things. De sorte que son fils naisse. In such a way that his son was as he born. Dans une mauvaise réputation. In a very bad reputation. Amen. Dieu a permis. God allowed. Que Jésus naisse. That Jesus was to be born. Et que les gens disent. That men can say. Que c'est un bâtard. He is a bastard. Amen. Dieu pouvait faire. Good God could do. Que le monde entier. That the whole world. Sache que c'est le saint qui naisse. Know that it's the only one being born. Mais Dieu ne l'a pas permis. But God didn't allow. Il a laissé. He allowed. Que une mauvaise réputation. That a bad reputation. Soit sur lui. Be upon him. Afin que seul les élus. That only the elect. Puissent be a him. Amen. Pendant que Bethlehem. While in Bethlehem. Les gens murmurent. People were murmuring. Oh, a bastard was born. There is a bastard. That's why they didn't find a place. God punished them. They didn't even find an hotel. While people were murmuring. In the farm. Outside the farm. The angel appeared to the shepherd. Fear not. I'm announcing to you a good news. Today, David, in the city of David, il vous aidera un sauveur. Born unto you a savior. Pour les habitants de Bethlehem, for the inhabitants of Bethlehem, he's a bastard. Mais pour les bergers, but for the shepherd, un sauveur nous aide. A savior is born unto us. Alleluia. Praise God. Amen. Que pouvons-nous faire face à cela? What can you do for this such a thing? Dieu laisse faire les choses. God allows things to happen. Que les calomnies courent comme elles peuvent courir. Let calomnies go the way they go. Mais but les élus, the elect, seront atteints. Will be rich. Alors tu troubles Israël? But you are troubling Israel. Non. No. La réponse est là. The answer is here. Je ne trouble pas. I'm not troubling. Je ne suis pas le problème. I'm not the problem. Le problème c'est toi. The problem is you. Parce que tu ne marches pas dans les voies du Seigneur. Because you do not walk in the ways of the Lord. Le temps est arrivé. The time has come. Tous ceux qui sont de Dieu. Those who belong to God. Doivent se retrouver dans un seul chemin. They will have to find all of them in un one way. Frayé par le Seigneur lui-même. The way made by the Lord himself. Car c'est le Seigneur qui conduit maintenant son peuple. Because it is the Lord himself leading his people. Ce sont des écritures qui nous conduiront vers la fin. These are the scriptures which lead us to the end. Lisons Esaïe 26, but verset 12. Let us read Isaiah 26, verse 12. Seigneur, tu nous donnes la paix. Verse 12. Lord, thou will ordain peace for us. Car tout ce que nous faisons. For Amen. That, Amen. Whatever what we may do. Pas certaines choses que nous faisons. Not some of the things that we do. Non, mais tout ce que nous faisons. For all what we have to do. C'est toi. It's you. Qui l'accomplit pour nous. Who fulfill it for us. Amen. Praise God. Dieu a ordonné les choses. God has ordained things. De sorte que ce soit lui. In such a way that might qui be him. Tout en toi. Who fulfill everything in you. Psalm 103. Psalm 103. Il connaît de quoi nous sommes formés. He knows of what we are made of. Il se souvient que nous sommes poussière. He remembers that we are dust. Comment la poussière? How can the dust? Peut marcher dans les voies du Seigneur? Can walk in the ways of the Lord? Impossible. Impossible. Amen. Comment la terre? How the soil? Peut marcher dans les voies du Seigneur? Can walk in the ways of the Lord? Impossible. It's impossible. Alors, Paul dit, then Paul says, ce n'est plus moi qui vis.
It's no longer I living. I was crucified avec Jésus Christ, with Jesus Christ at Golgotha. At Golgotha. Maintenant. Now. Maintenant. Now. Ce n'est plus moi qui no longer I living. C'est Jésus-Christ qui l'a pourvu pour nous. Est-ce que Jésus Christ vous finit pour vous? Voyez-vous qu'il vit en vous? Do you believe that he lives in you? Est-ce que vous le croyez? Do you believe it? Ah, c'est lui qui fait tout en vous. Is he doing everything in you? Si c'est lui qui fait tout en vous, is him doing everything in you? Alors vous êtes plus que vainqueurs. And you're more than conquerors. Ça fait quoi? It's victory. C'est votre victoire. It's your victory. Ta vie. It's life. C'est votre vie. Your life. Ta sainteté. It's holiness. C'est votre sainteté. Are we going to change the gospel? No. Qui est comme toi? Who is like you? Peuple sauvé par le Seigneur. A saved people by the Lord. Vous avez du prix. You are precious. Aux yeux de Dieu. Before God. Tout ce que vous faites. All what you do. C'est pas vous. It's not you. C'est lui qui le fait. It's him doing it. Mais regardez dans l'Ancien Testament. Look in the Old Testament. Avant même que les gens ne naissent de nouveau. Before even the people were born again. On voit la nature de Christ. We see the nature of manifestée dans les hommes. Manifested in men. Moïse agit. Moses is waiting. Comme Christ. As Christ. Quel effort Moïse a fait? What effort did Moses do? For him to do as Christ. David. David. Sa vie. His life. Comme Christ. Like Christ. Le roi rejeté. What did David do? Pour manifester Christ dans sa vie. To manifest Christ in his life. Et to be rejected. Comme Christ devait être rejeté. Christ was supposed to be rejected. C'est Dieu qui a conçu. Amen. Is God who conceives? C'est Dieu qui exécute. Is God who executes? Que son nom soit loué. Amen. Amen. Maintenant. Now. Étant né de Dieu. Being born of God. Ayant sa vie. Having his life. Ayant sa nature. Having his nature. Et le plus nous qui vivons. All of us living. But Christ living in us. And is he doing everything in us? And he says, verse 13, Seigneur, O Lord, notre Dieu, our God, d'autres maîtres, other lords, que toi, beside thee, ont dominé sur nous, have had dominion over us. Mais, but, c'est grâce à toi seul. Amen. By thee only. Que nous invoquons ton nom. We will make mention of thy name. Des hommes ont dominé. Others, Lord, they rule over us. They rule upon us. Mais but c'est grâce à toi. It's by thou. Que nous invoquons ton nom. We will make mention of your name. Dans Jérémie 31. In Jeremiah 31. Il les a arrachés. They snatched them. Il les a délivrés. Delivered them. Fort que eux. Greater than them. Amen. Il est plus fort que moi. He's greater than her. Peut-être que c'est pas la réalité. Maybe it's not a reality here. Yeah? Je connais des pays. I know countries où le pasteur est craint. Where a pastor is feared. Plus que Dieu. More than God. Si telle est ta situation, if such is your situation, sans honte, without shame, je te dis, I tell you, tu n'es pas né de Dieu. Amen. You are not born of God. Amen. Il préférerait briser la loi de Dieu. They would prefer to break the law of God. Mais pourvu que le pasteur, in such a way that the pastor le considère. Ou son prédicateur, ou son je ne sais quoi, or, I don't know, son what, chef spirituel, his spiritual boss, ne soit pas laissé. Maybe not forcible. Non. Non. Nous devons expérimenter cette scripture. We have to experience this scripture. Donc le maître que toi, other lords that you ont dominé sur nous, et dominent upon us. Grâce à toi. But because of you, que nous invoquons ton nom. Amen. 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 Nous sommes libres. Amen. Amen.
go quickly towards the end. Au verset 12. Verse 12. Ils viendront, ceux qui sont ramenés, ils viendront. They shall come. Si tu es du nombre, dis Amen. If you are part of it, say Amen. Ils viendront. They shall come. Et pousseront des cris de joie. And sing in the heights. Sur les hauteurs de Sion. And sing in the heights of Zion. Sur les hauteurs de Sion. Upon the heights of Zion. Et non sur la montagne. We stand upon the mountain. Nous sommes approchés de la montagne de Sion. We are done. Draw near upon the mountain of Zion. Upon the high of Zion. Nous sommes des cris de joie. We are shouting. Alléluia. 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 Que soit loué. God be praised. Des cris de joie. Cry the shout of praise. Shout. Upon the high of Zion. Amen. Car Dieu a fait des grandes choses. For God has made great things for us. Amen. Ils accourront. And they shall flow vers les biens du Seigneur. Together to the goodness of the Lord. Cette écriture, this scripture, en place maintenant. Amen. Amen. Pour que nous puissions accourir vers les biens. For us to go towards the goodness. Le Seigneur établit d'abord un nom. Firstly, Amen. Pour ce bien. Amen. Upon all the goodness. Amen. 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 L'ordre. The divine order Amen. Must be established. Je vous dis, frère, I tell you, brother, je ne prêcherai jamais Moïse. I will never preach Moses. Mais je ne parlerai jamais de l'Exode. But I will never speak about the Exodus. Sans mentionner Moïse. Without mentioning Moses. Je ne prêcherai jamais William Branham. I will never preach William Branham. Je ne parlerai jamais de la restauration. I will never speak about the restoration. We were speaking about William Branham. Je ne prêcherai jamais de Walt de France. I will never preach about Fred. Mais je ne parlerai jamais de la distribution de la nourriture. I will never speak about the distribution of the food. Comment serait ça? We were mentioning Fred. Notre grâce. Our grace. Nous sommes dans les choses d'aujourd'hui. We are found in the today's spirits. Nous ne sommes pas des franquistes. We are not Fred guys. Proclamation of the word of God. In such a way that elect plain position. Maintain
Jésus-Christ. Amen. C'est lui que nous cherchons. He's the one we are seeking. Ton cœur brille pour qui? Your heart is burning for who? Pour un prédicateur? For a preacher? Pour un maître? For a master? Non, 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 non. No? D'autres maîtres que toi. Other laws than you. Ont dominé sur nous. Have dominion upon us. Leur temps. But their turn. Est fini. Has gone past. Dans chaque réunion, in every meeting, le peuple de Dieu doit être sûr. The people of God must be sure que Ziaka s'efface, that Ziaka is out of the way, et que le Seigneur and the Lord speaks to the people. Moi, not I. Moi, I. Moi, I. Moi. No, 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 no. En ce jour-là, in that day, Isaiah 52. Isaiah 52. Verset 7. Verse 7. En ce jour-là, in that day, mon peuple saura. My people will know. Et c'est moi et pas. Who speaks? Amen. Amen. Pas un nom. Not a man. Pas un pasteur. Not a pastor. Pas un prédicateur. Not a preacher. Laissez-moi. Le Seigneur. The Lord. Qui parle. Who speaks? Et quand je parle, when I speak, je dis, I say, me voici. Amen. 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 Dans chaque prédication, in every preaching, nous voulons voir Jésus. Amen. Who can see Jesus Christ? Amen. Dans chaque réunion, in every meeting, il doit être présent. He must be present. Amen. Partout où deux ou trois, wherever two or three, se réunissent en son nom, God in his name, lui est présent. He is present. Alors je vous dis, then I said, Jésus-Christ, Jesus Christ, est ici. Is here. Il est quoi? Is who believe? Who believe? He sees your hand. He sees your hand. He can do the same thing which he did before. Si on t'a dit, if they said to you que de cette maladie que tu as, that from this sickness that you have, you will not be healed. Jésus-Christ est ici. Amen. 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 If they say to you, your problem will never have a solution. Jesus Christ is here. He has a solution. He has a solution. Amen. Why following a man? Why following a man? What can a man do? They run towards the goodness of the Lord. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. You have come Amen. To the goodness of the Lord. Amen. Ce n'est pas un homme qui vous a invité. Not a man who invites you. Dieu a utilisé un homme. God used a man. Et c'est Dieu qui vous a invité. But it's God who invited you. Amen. Et il a mis en vous le désir d'accepter. And he's put in you the desire to accept. Que son nom soit loué. May his name be praised. Et quand il vous invite, and when he invites you, vous ne retournerez pas. You will never go back. Comme vous étiez. The way you came. Non, non. No. Amen. Il y a quelque chose. There is something qui doit se passer. Which has to take place. Si Jésus-Christ est ici, if Jesus Christ is here, et je le crois, and I believe, il est ici. He's here. Quelque chose se passera. Something is taking place. You leave this place. You say, I've seen something. I've seen the Lord. And my soul, was saved. It is not here. Let us stop preaching. Let us go and run this place. But he is found here. Wait upon him. Alors nous continuons. But we carry on. Et Jérémie 31. Jeremiah 31. Ils affluent. They shall run, go together. Vers le bien du Seigneur. Towards the goodness of the Lord. Nous sommes au verset 12. Verse 12. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. They shall come, therefore come and sing in the high of Zion. Ils accourront vers le bien du Seigneur. And they shall flow together to the goodness of the Lord. Quels sont ces biens du Seigneur? What are these goodness of the Lord? Ils sont énumérés. Ah, this is unnumbered. Le blé. Amen. The wheat. Le mou. Amen. L'huile. Amen. 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 Les brebis. And Amen. Non seulement la parole. Not only the word. Non seulement la révélation. Not only the
de bœuf. And the herd. Les ouvriers. The workers. Les ouvriers. The workers. Have to be there. Amen. Amen. Oh. Hallelujah. Not only the wheat. Not only the wine. Non seulement lui. Not only the oil. Mais les brebis aussi. Amen. But the sheep, the flock. Les vrais ouvriers. And the true workers. Les brebis à oh. The flock is going quand running. Viennent, when they come, ils prêtent l'oreille. They give ear. Ils entendent la prédication. They hear the preaching. Moi, ah, moi, ah, moi, ah, moi. Les brebis font. Amen. The flock. Amen. Quand c'est moi, when it's I, moi, I, moi, I. Close the Bible. Parce que nous, I, us, what is attracting us? Amen. It's the goodness of the Lord. Et c'est bien, nous devons le voir. And we have to see this goodness. Le blé est là. Oh, the wheat is there. Oh, l'huile est là. Oh, the oil is there. Oh, le vin est là. Oh, the wine is there. Oh, clarifié. Amen. The clarifying wine. Il est là. Is there. Oh, là-bas. Oh. Des frères. Brothers. Amen. Who believes right? Not the brothers who goes some other ways. Amen. God will put an end to all those things. Amen. Amen. Tous ces frères qui sont de nature à comploter. All those brothers having a nature of compromising. Pour tuer les autres. To kill others. Frère Branham disait. Brother Branham said. Tu n'as plus aujourd'hui. De prendre un pistolet pour me today you don't need a pistol or a gun to tu kill me. Pour you don't need a knife for you to stab me. Tu peux me tuer aujourd'hui. You can kill me today. En répandant des calomnies sur moi. By repending false accusation upon me. Tout celui qui répand des calomnies sur un frère. Whoever is telling accusation upon a brother. Est un meurtrier. Amen. Is a murderer. Amen. Amen. Et vous les entendrez toujours. And you always hear them saying, speaking about heaven. Speaking about heaven. Se donner le ciel. Giving heaven to themselves. Non, 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 non. No. Dieu n'a pas donné le ciel à toi. Dieu. God never gave heaven to you. No. But what he says? Il dit à nous maintenant. He tells us now. Petit troupeau. Oh, little flock. Petit troupeau. Little flock. Ne craignez point. Fear not. Amen, je dois le dire. I have to say. Petit troupeau. Little flock. Ne craignez point. Fear not. Amen. Il a plu. It pleased. À votre père. To your father. De vous donner. To give you. Arrêtez-vous un instant. Hallelujah. One moment, stop. Un instant. Just a moment, just stop. Écoutez cette mélodie. And hear that melody. Petit troupeau. Little flock. Ne craignez pas. Fear not. Amen. Il a plu à votre père. It please your father. De vous donner. To give you. Amen. C'est à vous. It's amen. Alors tu entreras. Then you shall enter. Voilà. Amen. You shall enter. Que les hommes ferment. Let men close. Jésus a ouvert pour toi. Jesus has opened for you. You shall enter. You shall enter. Believe. You shall enter. La marche. You shall enter. Amen. Que les hommes ferment. Let men close. Oh, for you, over. It's finished. Heaven is closed for you. Finish, you won't enter. Tel que je te vois, as I see you, tu n'y entreras pas. You will never enter in heaven. Et si tu y entres, if you enter heaven, d'abord. Alors, then, c'est pas ta place. Amen. Parce que moi, because I, dès avant la fondation, amen. Before the foundation of the world, il est prédestiné. He has prepared for me. Petit troupeau. Little flock. Amen. Fear not. Amen. Est-ce que vous sentez la paix dans le cœur? Amen. Peace in your heart. Sentez la paix dans le cœur. You feel peace in your heart. C'est une décision divine. It is a divine decision. Cette décision n'est pas d'ici. This decision is not from here. C'est une décision des cieux. It is a divine decision. Il a plu à votre père. It pleased your father.
Father to give you. Amen. C'est pour vous. It's for you. Amen. Qui t'en privera? Who will deprive it from you? Soyez fortifiés. Be strengthened. Soyez fortifiés. Be strengthened. Et ayez confiance en Dieu. And trust God. Il nous a sauvés. He has saved us. Par le sang de son fils. By the blood of his son. Aujourd'hui. Then today. Nous accourons vers les bienfaits. We are running towards the goodness of the Lord. Sachez ces bienfaits. And know all those goods. Le blé. The meat, the wheat. Le blé. The wheat. C'est pour faire le pain. It's to make bread. Et le pain. And the bread. C'est ce dont nous nous nourrissons. It's what we are feeding with. Amen. Amen. C'est cette parole qui nous. It is word that we are eating. L'huile. Him. C'est l'esprit. L'huile, c'est l'esprit. Him. He is the spirit. The onction. The anointing. Il n'y a pas seulement la prêt de la parole. It's not only the word. L'onction est là. Even the anointing is here. Et aussi. And also. Le stimulus. The oil. The stimulus. Qui donne la révélation. Which gives the revelation. Il est là. He's here. Amen. 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 Tout doit être là. Everything has to be here. Amen. Alors les choses sérieuses viennent. Then serious things come. Je crois que nous sommes plusieurs hommes de Dieu ici. I believe that we are many servants of God here. Nous devons prendre ces choses au sérieux. We need to take these things seriously. Verset 14. Verse 14. Après qu'il ait parlé de bien. After he has spoken about the goodness. Pour que le peuple puisse y avoir accès. For the people to have access to them. Frère, but brother. Je ne vais pas couler. I don't want to run. Premièrement, il dit, ils reviendront. First they said, they shall come. Et ils courront vers les biens. And they'll go towards the goodness. Pour que toi tu puisses avoir accès au bien. For you to have access to the goodness. Verset 14. Verse 14. Je rassasierai. Amen. Amen. And I will satiate. De graisse. I will satiate. L'âme des sacrificateurs. The soul of the priest with fatness. Amen. Et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit le Seigneur. Amen. And my people Amen. Shall be satisfied with my goodness, says vous the Lord. Vous allez vers le bien. You're going towards the goodness of the Lord. Mais pour avoir, pour être rassasié de bien, dit But to be fed with the goodness of the Lord, il faut d'abord, firstly, que les sacrificateurs, the priest, soient rassasiés must, de bien. Must be satisfied with the fatness. Disons tous Amen. Amen. Que tous les hommes de Dieu disent Amen. Amen. Est un devoir. This divine order is a duty. On ne peut pas en retourner. You cannot bypass it. Il m'importe peut-être ami de femme. Non, je n'en ai pas besoin. It's pointless or it have no interest to be a friend of non, my friend. Non, non, non. Ce dont nous avons besoin. What we need. C'est que mon âme. That my soul. En tant que sacrificateur. As a priest. Soit rassasié. Be filled. Pour que le peuple for the people puisse manger les biens du Seigneur. May eat the goodness of the Lord. But comment? But not how? L'âme du sacrificateur the soul of the priest sera rassasié. Will be filled. Parce qu'un sacrificateur qui n'est pas rassasié. Because a priest who is not satisfied. Quand il parle. When he speaks. Même s'il touche le verset. Amen. Le peuple ne mange pas. Amen. Are not fed. Amen. It's not the time to go into verses just anyhow. No, 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 no. No. Every verse. Dans le plan. In Amen. Chaque verset. Every verse. Dans le plan. Amen. 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 Une parole. A word. Enlevé de son contexte. Taking out of its context. C'est l'ennemi qui s'en sert. Amen. It is the enemy taking place of it. Amen. Amen. Un sacrificateur affamé. Hungry priest. Il affame aussi le peuple. Will Amen. Make the people to be hungry. Amen. Il se tient devant le peuple. Stand before the people. Le peuple dit nous allons manger. The people say no, we're going to eat. Quand le peuple écoute. When the people hear. Beaucoup de versets. Many verses. Mais je suis sorti. But I came out. Affamé. Hungry. Non. Tu es venu. You came. Pour manger. Amen. Et vous devez manger. Amen. Amen. Voici la nourriture. Here is the food. Comment l'âme des sacrificateurs sera rassasiée? How will the soul of the priest be satiated? Nous filons vite. We go straight away. Dans Matthieu 24, 45. Amen. Matthieu 24, 45. Amen.
Allons. Let us go. Et lisons l'écriture. Let us read the scripture. Tel que c'est écrit. As it is written. Nous ne voulons plus de sacrificateurs affamés pour nous affamer. We don't want no more this hungry priest for them to make us hungry. No, no. Amen. We don't want them anymore. Amen. No, no. No, no. Tu n'es pas rassasié. You are not filled up. Non, tu ne te tiens pas. Then don't stand. Donc, on va lire avec foi. Let us read with faith. Verset 25. Verset 45, excusez-moi. Verse 45. Quel est donc? Who then? Le serviteur fidèle. Is a faithful. Et prudent. And wise servant. Ces deux qualificatifs sont importants. These two qualifications are very important. Fidèle. Faithful. Et prudent. And wise. Amen. C'est sorti de la bouche de Dieu. Amen. This came out of the mouth of God. Nous, on ne donne pas à un serviteur le qualificatif de fidèle et de prudent. We don't give this qualification of wise and prudent servant. Mais sont ces paroles. But this word sont sortis de la bouche de Dieu. Came out of the mouth of God. Amen. Fidèle, faithful et prudent. And wise. Fidèle, faithful. Ça veut dire il ne s'égarera jamais. It means you will never go astray. From the word. Amen. Sur base de cette écriture. Now, on the basis of this scripture. Celui à qui Dieu a dit. The one to whom God said. Mon serviteur. My servant. Je t'ai établi. I have established you. Selon Matthieu 24:45. According to Matthew 24:45. Il a dit. That one said. Depuis que j'ai commencé à prêcher. Since I started preaching. Je n'ai jamais corrigé. I've never corrected. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. I know that may stumble someone. Je ne suis pas scandalisé. I'm not stumbled. Parce que c'est sorti de la bouche de Dieu. For this came from the mouth of God. Amen. 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 Le temps sérieux arrive. This is a serious time. Lorsque nous reconnaissons cet ordre. When we recognize this order. Les fausses prédications, les fausses déclarations. Finiront. Amen. The false declaration, the false preaching will end up from the pulpit. Let us read. Who then is the faithful and wise servant? Son maître a établi sur ses gens. Whom his Lord has made ruler over his household. Dans d'autres versions, sur ses domestiques. In other version, upon his domestics or workers. Vous voyez là où il est? You see where he is? Il a établi. He established. Sur He is established upon other servants. Il est domestique. He is a domestic worker. But he is established sur les autres domestiques. Upon other domestic workers. Amen. Qui a des problèmes avec ça? Who has a problem with this scripture? S'il n'y a pas de problème avec ça. If there is no problem with this scripture, avançons. Let us go forward. Amen. Il est établi pour faire quoi? He is established for you to do what? Pour qu'on fasse la parade avec lui. For us to make a friendship with him. No. No. Il est établi pour quoi? Why is he established? Le but est ici. The purpose is here. Praise God. Pour leur donner. To give them. La nourriture au temps convenu. Meat in due season. Amen. Amen. Le verbe donner à son contenu. The verb to give is God is content. C'est-à-dire que l'un a. Means the one has. L'autre n'a pas. The other one does not have. Alors celui qui a. And the one who has. Donne. Amen. Gives. Alors celui qui n'avait pas. Now the one who didn't have. Receives now. Amen. 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 Disons tous amen. Amen. Et que Dieu le voit. Amen. Let us see. Pour leur donner. To give them. Si on comprend cette écriture. If we understand this scripture. Fini les spécialités. Amen. We end up with our specialities. Fini les chefs. The bosses and chiefs will end. Amen. Amen. Il n'est pas notre boss. He's not our boss. Il n'est pas notre chef. He's not our chief. C'est d'ailleurs un humble serviteur de Dieu. First of all, he's an humble servant of God. Et il connaît la place que Dieu lui a donnée. And he knows the place which God gives. Lorsqu'on en arrive à la parole. When it comes to the word. Pas de compromis. No compromise. Pas d'amitié. No friendship. Lorsqu'on en arrive à la parole. When it comes to the word. Pas de compromis.
nations, que Dieu a accompli en ce temps, which God has fulfilled in his life, très capital, are very important. Premièrement, firstly, par le ministère de William Marion Branham. By the ministry of William Marion Branham. God has filled up le grenier, the amen, de blé, with which le cul, all the vessels, l'huile, with oil, et le goût, and the wine. Par le ministère de William Branham, by the ministry of William Branham, la nourriture a été emmagasinée. The food was stored. Amen. Lisons Joël chapitre 2. Let us read Joel chapter 2. Vous aimez les Écritures? Amen. Les Écritures. Restez dans les Écritures. Remain in the Scriptures. Joël chapitre 2. Joel chapter 2. We did this. Depuis, on peut aller juste à l'écriture pour gagner le temps. We can go straight to the scripture for us to verset 27. Gain time. Commençons au verset 23. Verse 23. Et vous, enfants de Sion, and ye children of Zion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Be glad, glad then and rejoice. Dans le Seigneur votre Dieu. In the Lord your God. De qui s'agit-il? Who's concerned? Il s'agit de vous. It's about you. Approchez de la montagne. Amen. Enjoy upon the mountain of Zion. Enfants de Sion. Children of Zion. Amen. Soyez dans la allégresse. And be glad. Car il vous donnera la pluie en son temps. For he has given you the former rain. Il vous enverra la pluie de la première. And the former rain. Et de l'arrière saison. And moderately the later rain. Comme autrefois. As before. Now, when we shall do this, we read verse 24. Les airs se rempliront de blé. And the floor shall be filled of wheat. Et les huiles regorgeront de mou et d'huile. And the fête shall overflow with wine and oil. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles. And I will restore to you the years that the locusts. As it, le gelée, gazim, gazam, the counterworm and the caterpillar, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, my great army which I sent among you, ça il l'a fait, this he did, avec William Marion Branham, with William Marion Branham, amen. 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 La nourriture a été mise dans le dépôt, the food was stored, et selon la promesse, and according to the promise, le dépôt est plein, the storeroom is full. Mais regardez, but look, nous sommes des princes. We are princes. Nous mangeons à table. We are eating at the table. Pas dans le dépôt. Not alléluia. In the storeroom. Amen. Amen. Nous sommes des princes. We are princes. Nous ne mangeons pas au dépôt. We are not eating in the storeroom. Nous mangeons à table. We are eating at the table. Amen. Alors il faut un now it needs a worker. We can, who can go in the store, take the store of food and bring the food on the table. Amen. Amen. Am I well understood? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Qui peut aller prendre la nourriture crue? Who can go and take the raw food and go there and start eating it? No. Chaque lettre est sûre qu'il est. Every amen. Chaque prédication de Kevin. Every preaching from Kevin. C'est une nourriture. Amen. Une food. Amen. Upon the table. Amen. 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 Je suis allé quelque part. Went somewhere. Je vois quelqu'un qui préside le culte. Someone presiding the service. Il vient et dit. Comes and say. Bon, nous sommes rassemblés ici. We are gathered here. Vous savez là où les aigles s'assemblent. You know where the eagles gather? C'est là où il y a le corps, c'est là que les aigles s'assemblent. Where the body is, that's where the eagle gather. Oh, oh, oh. This man is not complete. Cet homme n'est pas à la page. Chaque prédicateur. Every preacher. Doit être à la page. Must be updated. Chaque prédication. Every preaching. Que Dieu permet. Which God allows. Quand on passe ce ministère. That we may hear by this ministry. Apporte de la clarification. Must bring the clarity. Apporte de la correction. Must bring the correction. Apporte de l'édification. Et les ministres. And the ministers. Sont nourris. A fait. N'amenez plus vos propres prédications.
Don't bring anymore your own preachings. Sur chaque point. Upon every subject. Dieu a déjà donné la réponse. Amen. God has already given the answer. Par le ministère biblique. Amen. By the biblical ministry. Prophétique et apostolique. Amen. Chaque point. Every topic est clarifié. Is clear. Amen. Qu'il s'agisse d'Apocalypse 10, maybe over concerning Revelation 10. Qu'il s'agisse de la parousie, maybe about parousia. Qu'il s'agisse de toutes ces spécialités, maybe about all these specialties. Qu'il s'agisse du septième sceau, maybe about the seventh seal. La réponse est déjà donnée. Amen. The answer is already given. Un ministre qui n'est pas rassasié. Now, a minister who is not filled up. Qui n'est pas connecté à ce service. Who is not connected to this servant. Vous l'attraperez. You'll catch him. Vous l'entendrez dire. Amen. You hear him say. Le septième sceau. The seventh seal. N'est pas encore révélé. It's not yet revealed. On t'attrape. We catch you. Amen. Affamé. You are not filled up. You are hungry. Si tu es nourri. If you are filled up. Tu nous diras. You tell us. Le sceau le plus clair. The most clear seal. C'est le septième sceau. Amen. Seven. Amen. 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 Vous avez le droit. You have the right. Je n'ai pas me laisser partir. Not let me go. On ne fait plus de déclarations. We don't make any more declarations. Mais on va parler selon les saints. But we must speak about concerning the, according to the Holy Spirit. Chaque point. Every topic. Est clarifié. Is clear. Il n'y a plus de doute. There's no longer darkness. Mais il s'agit de quoi? But what is all about? La nourriture pure. The pure food est maintenant à votre portée. Is at your disposal. Pourquoi? Why? Après que la fin de dénomination ait été proclamée. After the end of denomination was proclaimed. Et que l'appel a sorti. And the calling to come out. Et été lancé. Was sent forth. Les vierges se tiennent. The virgin stood up. Ce sont des vierges. These are virgins. Que vous êtes. That you are. De même que Marie. As many. Était wow. La fille. You also. Tu es la vierge promise. You are the promised virgin. Comme Esaïe a dit. As Isaiah said. Voici. Behold. Le Seigneur lui-même vous donnera un signe. The Lord himself shall give a sign. La vierge concevra. The virgin will conceive. Et l'enfantera. And shall give birth. C'est ainsi aussi. It is the same. Qu'il a été dit. That it was said upon us. Le royaume des cieux, the kingdom of heaven, sera semblable, will be like à 10 vierges, and 10 virgins, qui ont pris leur rang, took their land, pour aller à la rencontre du Seigneur, to go to meet the Lord, au temps marqué par Dieu, at the due time, vers le sixième mois, towards the sixth month, l'ange Gabriel, the angel Gabriel, fut envoyé, was sent auprès d'une vierge, to a virgin, qui habitait à Nazareth, who was dwelling in Nazareth. Le nom de cette vierge, and the name of that virgin, était Marie, was Mary. Tout cela arriva, all that happened, afin que s'accomplisse, that should be fulfilled. C'était le prophète Isaïe. What Isaiah the prophet said, behold, the virgin conceived. De même aujourd'hui, the same today, au temps du soir, in the evening time, l'ange du septième âge, the angel of the seventh age, Marion Branham, a été envoyé, was sent, pour lancer la peine, to call out, aux dix vierges, aux dix vierges, dont certaines habitaient à Cape Town, of whom some dwelt in Cape Town, d'autres habitaient à Durban, some dwelt in Durban, d'autres habitaient à Kigali, some dwelt in Kigali, d'autres à Johannesburg, some in Johannesburg. Mais où qu'elles soient, whatever they may be, l'appel à amen, the call to come out will reach them. C'est le même Dieu. He is the same God. Qui accomplit son plan. Who fulfills his plan. Maintenant par cette nourriture. Now by this food. Que nous mangeons. Which we are eating. Le plein accomplissement de la volonté de Dieu. The full fulfillment of the will of God. Va trouver sa place en nous. Has to find place in us. Amen. People of God. N'écoutez plus des hommes. Amen. Donc, amen. Anymore listen to men. Amen. Qui ne sont pas rassasiés. Who are not filled up. Vous êtes calme. You are quiet. Non. Non. C'est votre pas. It is your portion. Le bien du Seigneur. The goodness of the Lord. C'est votre pas. Amen. Your portion. Amen. Moi-même. I myself. Avant de
Christ, before I come, je dois être nourri. I must be filled. Amen. Jérémie 31, aujourd'hui, it is today. Amen. Je rassasierai. I will fill de graisse. With fatness. L'âme de sacrificateur. The soul of priest. Et mon peuple. My people. Se rassasiera de mes. Amen. Test the goodness. La seule connexion. The only connection. Avec le roi de France. With the world of France. C'est que la même nourriture. It means the same food. Qu'il distribue. Which it distributes. Que nous puissions la voir. That we may be with here. Amen. Amen. Le même son. The same sound. Il est tenté à créer. We are growing in the transfer. What did I remember? So when we heard. Il est tenté ici. Here. Oh, c'était à Jérusalem. And it was in Jerusalem. Pas de différence. Non différence. Amen. N'amenez pas de particularité. Don't bring particularity. Le même son. The same song. Je termine par cette écriture. I will finish by this scripture. There are many things you can say. Mais je termine par. I will finish by this scripture. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Levons-nous tous. Let us all stand up. Pendant que nous allons lire cette écriture. While we going to read this scripture. Tous, tenons-nous debout. All of us, et can we stand up? Now soir. It is our engagement before faith. Verset 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frère. Whatever, brethren, I declare unto you. L'évangile que je vous ai annoncé. The gospel which I've preached unto you. Que vous avez reçu. Which also you have received. Dans lequel vous avez persévéré. And wherein ye stand. Et par lequel vous êtes sauvés. By which also you are saved. Si. If. Vous le retenez. If. Dans les termes où je voulais annoncer. In memory what I preach unto you. Autrement, unless vous auriez cru en vain. Ye have believed in vain. Ils sont tous amen. Amen. Ils sont tous amen. Amen. Voulons-nous garder l'évangile dans les termes? Amen. Want to keep the gospel in the terminal? Comme il était prêché à Jérusalem. Jérusalem. Comme Dieu l'a confié au William Branham. As God gave it to William Branham. As Ewan Frank preached, voulons-nous que ce soit ainsi ici? Do we want it to be the same here? Que ce soit ainsi à Kigali? Maybe the same here in Atlanta? Que ce soit ici à Atlanta? Maybe the same in Atlanta? Que ce soit ici en Chine? Maybe the same in China? Que ce soit ici partout? Maybe the same everywhere? Voulons-nous que ce soit ainsi? Do you want to be the same way? Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Et refusez. And reject. Toute prédication. All preaching. Toute déclaration. All declaration. Qui s'écarte de l'évangile éternel. Which is outside from the everlasting gospel. Que Dieu vous comble de sa grâce. May God put his grace upon you. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Can we pray together, beloved? Va nous prier ensemble, bien-aimés. In worship and thanks unto our God. Let's pray together. Prions. Father, thank you so much, Lord, that we could have heard, Lord, the word as it was proceeding. Lord, God, we are grateful that we can have heard together. We are in connection direct with the ciel. Ce qui revient de toi, ce qui
attachés aux choses qui me sont destinées. Sois loué, sois béni. Merci pour vos grâces. Merci pour vos choses. Merci et reçois l'honneur. Alléluia. Alléluia. Merci. May God bless you, beloved. Que Dieu vous bénisse. Let us sit and sing that song. Chantons ce cantique. Les fruits de bénédiction. Pause. Yeah.
Oh, just come and pray with us, my beloved brother. Let us bow our heads.